Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Le ministre de l'Environnement James Cadet, qui était avec les juges de paix et les policiers, fait poser ses lits sous Minsab qui est dans la boule 12 à Taraz, mercredi 23 février. Le ministre de l'Environnement fait connaître, il pose action ça dans l'idée pour camper la dégradation environnement qui a fait dans la zone la boule. C'est quoi pas qu'il y a Daniel Théodore a présenté en vendredi. Intervention du ministre de l'Environnement dans le Minsab la boule 12 là, c'est pour camper l'exploitation illégale quelques individus a fait dans le cahier ça. Ensemble avec la police, JDP, le ministre de l'Environnement James Cadet pose ses lits sous Minsab là. Action ça rentrer dans la ligne pour renforcer la surveillance environnementale là. Nous ne connaissons pas combien d'opérations le ministère de l'Environnement, la justice, la police fait déjà pour empêcher les gens. Nous comprenons que la situation économique est difficile, mais nous ne pouvons pas pratiquer, chercher la vie, détruire la vie. Nous ne pouvons pas gagner contre personne. Mais nous sommes vivants un moment côté que à chaque seconde, nous avons une secousse dans le terrain. Et la zone ça, côté nous, là, la boule, non seulement elle est interdite, et son zone d'eau, là nous avons tous les grands spécialistes experts qui parlent. Li à haut risque sismique. Ça veut dire n'importe quel secours qu'il a et puis envahi, on seul qui se va le poser. Côté l'État. Eh bien, c'est ça que fait l'État là pour faire prévention, pour l'empêcher. Les gens ne peuvent pas mourir encore. Les gens ne peuvent pas mourir encore. Là, de manière formelle, nous comptons sur la collaboration du comité jeune qui fait appel avec nous pour continuer à renforcer la surveillance dans la zone. Là. Et désormais, nous allons dynamiser comme ça, l'unité ça que nous avons pour ça de surveillance. Là. Parce que moi, je dis déjà, nos agents, mes agents, ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée. Je vais venir accompagner nous faire le travail environnemental. Pour nous travailler sur la question, pour nous camper la question de dégradation environnementale. C'est une campagne de sensibilisation, le ministre de l'Environnement lancé dans l'idée pour camper la construction anarchique qui a fait dans la zone Sahara. Le comité jeune la boule 12 applaudit l'initiative. L'État, oui, dans quel niveau que le peuple de la boule 12 dans la zone de place a vivre. Il y a une situation qui est vraiment dégradante. Et nous tous nous tous constatons, si nous voyons nous là, nous voyons comment nous vivons une situation qui est vraiment difficile. Nous-mêmes, dans la zone en tant que jeunes, et comme au comité, nous campons pour travailler actif avec nous pour nous voir comment nous sommes capables de protéger l'environnement et puis quelle solution nous capoter tout avec côté qui a dégradé. En gros, nous comptons pour présence de l'État qui l'a et nous espérons sous concours de l'État aussi vite que le vent, parce que danger à là, tout le monde constate. Côté de l'État, faire une intervention pour nous, pour voir comment nous sommes capables de sauver l'environnement. Après le tremblement de terre 12 janvier 2010 passé, l'État haïtien était pris en mesure de fermer mine sable à boule 12 là. Malgré la décision, certains individus participent à exploiter illégal carrière ça. Qui représente une menace pour l'environnement. Ministre de l'Environnement James Cadet visite Mon Gagné sous tête canapé vert mercredi 23 février. Pendant visite ça, le ministre de l'Environnement représentant mairie Pétionville avec plusieurs cadres dans le ministère. Le ministre de l'Environnement a déclaré l'État haïtien pourrait prendre mesure pour camper construction anarchique que quelques individus ont fait dans Mon Gagné. Il y a un espace l'État haïtien déclaré. Mais de quelle manière, moi, pour vous connaître, qu'en peu de temps construction ça au fait, nous pas venir pour nous chasser personne monde qui construit. Nous venons pour nous engager l'État. Nous venons pour l'État discuter avec eux pour vraiment nous commencer à définir droit, définir priorité. Qui est-ce qui a droit, qui est-ce qui a raison. Et comment que nous pouvons concilier différents enjeux qui viennent. Enjeux environnementaux, enjeux économiques, enjeux sociaux. Mais tout simplement, tout, nous venons dire halte là. Nous venons dire que l'environnement n'a pas dégradé davantage. Nous venons dire que la construction n'a pas continuer à faire de manière anarchique encore. Ça veut dire qu'il faut que l'hémorragie en campé. Pour l'hémorragie en campé, ce n'est pas ZAM, ce n'est pas Goumen qui pourra le faire. Parce que, expérience, nous sommes passagers, la question du droit de l'environnement, c'est une portée philosophique d'abord. Il doit rentrer dans la conscience. Ou doit sentir son citoyen éco pour changer le comportement. Là, nous venons faire appel à tout le monde qui veut construire. Une façon pour construire. Il y a un côté pour construire, il y a un genre pour construire. Ou pas qu'à dégrader l'environnement et ou pas qu'à hypothéquer l'avenir. Là, nous faisons constat.
dans le même espace, il y a un paquet d'édifices, un paquet de constructions qui fait. Yo belle, yo important, même c'est la vie plus bon, plus important. J'aime dire, nous ne pouvons pas chercher personne. Nous voulons faire sensibiliser ou faire ou comprendre. Et comme l'État, comme autorité, nous avons obligé de camper la construction anarchique. Construction anarchique, ce n'est pas question de tikai, tito di, tibaye seulement. Construction anarchique, c'est tout droit que vous n'avez pas pour construire. Dans un communiqué, il mettait d'ailleurs le ministère de l'Environnement fait connaître, il annulait tout badge, agent brigadier surveillance et protégé. Ministère a dit, li choqué par rapport à une série mauvais comportement quelques agents via action sa yo qui répétait souvent. Zak sa yo capable blague moun nan confusion sous vraie attribution agent Bessapio, décret 26 janvier 2006 la garantie. Ministre environnement James Kade dit, li prend décision camper tout badjo et puis annoncer formation yon commission cap gen pour faire évaluation sous agent Bessapio. Ouvrier factory yo prend la li mercredi 23 février a, pour dire pas d'accord avec nouveau gris salaire minimum là. D'après manifestants yo, comme qui ajouté sous salaire à parmesi pour couvrir ensemble besoin yo. Dans ce sens, yo dit yo campé de 1000 goud là, 1500 goud là comme petit l'argent pour une journée de travail. Ouvrier annoncé l'autre journée manifestation jusqu'à ce qu'il arrive et joigne réponse yo besoin. Pendant mouvement ça, plusieurs monde victimes parmi yo trois journalistes Lazare Maximien, Laurent Sony et Yves Dus Moïse. Il y a extrêmement micro, mais je donne heurtelou. Je ne suis pas d'accord avec ça qu'on mette là. Parce que je dis, vous ouvriez au gétime qui parle de l'école, vous avez fait mis sous compte. 37 dollars par haïti l'an pour vous. 1600 dollars, 4 euros, vous pensez le 3 euros et pour ouvrir le bateau. Nous avons payé, nous avons l'école, nous avons fait des petites, nous avons payé, nous avons tout le bagage pour nous faire. Ok, par la suite, nous avons fait une réduction là-dedans. Nous n'avons pas dit pour nous 37 dollars, c'est 37 dollars, nous mettons sur 600 gouttes avant nous. Ok, nous pas d'accord. Et si toutefois, nous n'avons pas rentré, ça ressortira, nous faisons carré pour l'arrière jusqu'au bout. Nous avons 600 gouttes avant nous, pour nous manger, pour nous faire la machine. Des fois, un moto nous prend. Là, nous avons 400 gouttes dans le jeu. Nous avons fait utile, nous allons. Là, on est bloqué nous. Là, on va même payer nous-mêmes. On est là, on a manifesté. La police va nous gaz. Nous avons petit, on va payer la faculté pour lui. La police, là, on va nous gaz. Moi, on a un petit pied bois sous tête ou là. Un petit pied bois sous tête, moi. Grand goût dans comme. Misère. Ou toucher Jésus pour escompte demain. N'a pas dit Ariel comme ça, nous-mêmes, nous besoin manger tout. Les nanos, nous ne pouvons pas nous prêter. Nous ne pouvons pas Fatma sous nous, nous ne pouvons pas soigner au Fatma. Mais nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas nous, nous et nous-mêmes? Mathieu, nous prenons ton Josia là pour nous dire Ariel, nous là en tant que monde, il faut changer nous. 1500 gouttes de besoin, nous allons vivre, nous allons manger, nous allons boire, nous allons aller à l'école. Vous comprenez un petit comme ça au bas, nous payons la machine, nous mangeons la dalle. Nous disons, nous ne sommes pas capables de quoi. Nous avons petit sous compte nous avons caille sous compte nous. Les filles, les matins, les qui n'ont pas de grande grande factory, nous mangeons 37 dollars plus comme machine. Non, midi encore, nous dépassons 60 dollars. 1000 gouttes pas qu'à rien. Si je ne sais pas, 1000 gouttes pas qu'à rien. Est-ce que vous comprenez? Sous malade, 1000 gouttes qu'à mener un docteur, femme qui a 1000 gouttes qu'à payer, manger 1000 gouttes qu'à payer, transport, sous guette de toi, si mon madame qui paye 1000 gouttes qu'à payer. 1700 gouttes demandées, soit si grave d'ailleurs, on retient toi, si même pas la négre, 1700 gouttes pour te demander, dans la réunion avec monsieur. Il y aura 1700 gouttes là, nous m'avons qu'à nous dire, bon, qu'à ça, qui fait pour nous 5 gouttes. Lazare Maximien, Laurent Sony et Yves Dus Moïse, c'est nos trois journalistes qui victimes dans le cadre de mobilisation ouvrière au TAPFE pour demander augmentation salaire minimum. Une parmi eux, Lazare Maximien mourit, l'autre dans l'hôpital, il a pris soin car il a nécessité. Une situation qui révolte l'autre confrère dans la presse qui tape couvrir manifestation. Robert Dimanche, membre collectif Média en ligne, a expliqué qui j'en s'était passé. En tant que journaliste, nous avons couvert la manifestation ouvrière qui a été lancée jeudi. Eh bien, pendant que nous avons couvert la manifestation, la police crase la manifestation à mettre prise. Côté que nous avons agent Simo, agent Hutmo qui était sous place. Mais à part de ça, nous avons constaté que la manifestation était censée recommencer. Côté que l'ouvrier même a descendu sur l'aéroport. Là, on arrive dans la zone Ghana. Et la police encore qui fait usage de gaz lacrymogène côté que manifestation lui-même l'écrase. Maintenant, il y a un groupe manifestant qui campe dans l'espace qui va laisser un boulot caoutchouc. C'est le moment où il y a un backup qui passe. Fandi, et puis quoi, machine zone que ça, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas marqué police. Tout simplement, pendant que les manifestants ont tiré roche sous M. Sayo, eh bien, nous.
constater nous un chauffeur a dit non parce que roche et l'autre manifestant a dit non. Il y a un policier qui derrière. Policier ça, il y a avec une machine, une arme qui ont télescope là-dedans. Il est tombé tiré. Soit attendez à tout le monde à tête pour toucher plate, moi-même nous touche à tête, tout le journaliste, tout le manifestant tout. Et bien c'est là nous lever. Nous voyons les jeunes garder derrière nous, ouais. Eh bien, il y a un pile de monde qui prend balle. Parmi eux, il y a 3 journalistes qui prennent balle dans monsieur Sao. Sonny Lo. Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, condamné le mort journaliste Lazare Maxien pendant la manifestation ouvrière au mercredi 23 février 2021. Premier ministre a condamné toute violence qui fait qui la cause plaisir à monde blessé dans la manifestation. Ça. Docteur Ariel Henry profite occasion pour présenter sympathie les familles défunts ensemble avec tout l'autre monde qui subit la violence dans ces circonstances-là. Chef gouvernement rappelé, pouvoir public a une responsabilité pour tabler l'ordre et la sécurité pour gagner la paix dans le pays. Dirigeant association directeur qui sortit dans la 3e circonscription Port-au-Prince, mandé mercredi 23 février 2021, pour gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Chita Paléakio comme responsable de l'école dans la 3e circonscription, dans l'idée pour qu'il joigne une solution sur situation difficile qu'a traversé 3e dans les affaires d'éducation côté Mandi Axam a fait la loi. Responsable fait qu'on a l'école n'est pas crasé, mais plutôt yo fusionné yo dans son maclot dans Bisoton, dans Cafou et la Tri. Un extrait dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbich. Nous même dans la 3e circonscription de Port-au-Prince étant que directeur d'école, nous gardons nous ouais que ministre l'a fait une sorte de pèlerinage à travers toute l'autre zone chaudio avec un slogan qui dit l'école pas attendre. Nous même dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, c'est que et l'État haïtien, par le biais du ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, il faut que j'aime chita avec nous pour le dire effectivement de quoi il en est. Disons, avec les gens qui disent que le ministre chita déjà, c'est les gens vraiment qui n'ont pas rien à voir avec le système éducatif là, spécialement dans la 3e circonscription de Port-au-Prince, Matissan et de Fontamara. Yo dit nous que le ministre est allé à la Saline, mais qui l'école le ministre ouais? L'école seulement, l'école nationale, le lycée. Yo. Mais imaginons que toute l'école qui fait partie de l'école privée, yo, que le ministre pour qu'on jamais chita avec ensemble des comités qui ont géré l'organisation à travers toute zone chaude, pour que le ministre soit capable de dire effectivement comment l'école va l'ouvrir. Disons nous-mêmes qui en Matisse, en Fontamara, 4e avenue Bolo, ça veut dire l'école nous, c'est comme si l'école est fermée. Bien entendu, d'après tout bruit que vous courez vers le ministre, vous montrez le ministre, l'école Matisse, Fontamara, l'école ça a écrasé. Étant que président organisation des directeurs d'école privée de la 3e circonscription de Port-au-Prince, n'a dit le ministre, c'est faux, achifo, l'école est fusionnée. Bisoton, ils ont fusionné Carrefour et ils ont fusionné dans le centre-ville. Disons, c'est pour raison ça, je dis à nous passer dans la télévision nationale d'Haïti pour nous dire le monde entier, ça a passé dans la 3e circonscription, spécialement Martissan, Fontamara et même 4e avenue Bolos, bagaille ça les critiques en pile. Et c'est pour raison ça, nous demander Premier ministre, M. Ariel Henry, lui-même qui a géré le pays, disons, nous capables de dire sincèrement, Premier ministre, le président et le premier ministre à la fois, disons, nous sommes certains si que le papa c'est gouvernement, l'ordre pour gouvernement chita avec nous, nous-mêmes en la 3e circonscription, spécialement à Matissan, finalement, pas gagné rien qu'à fait. Heureusement pour nous, nous chita avec le directeur départemental là, qui c'est M. France, qui te dit nous effectivement, les gains pour le faire nous chita avec IGA. IGA c'est M. Fritz Domainville. Pendant que nous avons parlé là, nous pouvons jamais chita avec M. Fritz Domainville. Et pendant ce temps, nous écrit et ministère de l'Éducation nationale pour nous demander lui en compte que, et avec M. Nesmi Maniga, disons, personne ne peut faire cas de nous. Et c'est pour raison ça, nous demander au premier ministre, à tout ministre de l'Éducation nationale là, Jean-Slogan Dia, l'école n'est pas qu'à attendre. Et franchement, dans la 3e circonscription, spécialement Martissan, l'école n'est pas qu'à attendre. Individu à examen, pas arrivé identifié, Touyan Babal, Jacques Faubert-Étienne, un employé Banque République d'Haïti. Zach assassinat est arrivé dans la commune Port-au-Prince. Jacques Faubert-Étienne, c'est un cadre bien formé qui n'a pas bien longtemps été sous formation à l'étranger pour un master. Les fêtes Gonaïve, département Latibonite et puis lycée Papa des Petites.
Un agent sécurité Banque Nationale Crédit BNC joint arrestation après incident qui passé mardi 22 février tout près de l'aéroport Guimalaria côté en patrouille la police était campé en fourgon et puis agent n'a pas décidé de camper, il a même tiré en l'air d'après ça qui rapporté. C'est commissaire gouvernement Kwade Boukéa, J.I.Pierre, qui était by l'ordre pour arrêter agent BNCA. Mais J.I.Pierre souhaitait un bon jamaisie qui prend pour permettre de combattre l'insécurité dans le pays. Sous mon parle, responsable logistique à corps sécurité BNCA, Leslie Jean, qualifié incident ça comme une action inutile. Leslie Jean fait qu'on ait une sanction qui est réservée contre l'autre agent de sécurité qui fait partie de la délégation. Mais qui ça incident est? Il y a une circulation rapide. Ils ont blindé encore eux-mêmes tout cap bail service public dans l'État. Et que la police m'a dit qu'on rentre dans l'île. Il y a foncé machine sur la police. Et que les policiers ont campé devant la machine. Il y a des gens qui allaient les amener, les tirer. Et il y a des armes gros calibre. Ça, c'est déjà une infraction. C'est une contravention liée. Et moi, je demande pour les policiers à bail chauffeur. Qui était sous blindé a une contravention pour ça. Deuxièmement, il y a trois agents de sécurité la banque qui tirent en l'air sous tête policière. Eh bien, ça c'est tentative assassinat. Moun qui te tiré, moi Kembil m'arrêté avec toutes les âmes qui te tiré. Et juge de paix a dressé pour servir Bali, yo mettel dans garde à vue donc suivi légal yo a fait. Et ça t'a bon tout pour n'importe pour n'importe autorité qui est dans le pays, qui est policier ouais, qui est dans la machine. Je dis nous la réponse, non. L'État est pour prendre toute disposition pour mettre sécurité dans le pays, pour faux policiers, pour vagabonds qui habillés avec uniforme la police, suspendre kidnapper les gens. Chaque section a une loi par eux. Ça le fait, elle fait une infraction dans la rue, on a fait avec la police, pour le ministère du gouvernement. Prend cas, il met les prendre en considération, il fait travail pas. Moi, je fais travail pas, même ça seulement qu'a dit dans ça passé là, moi, c'est un incident gratuit. Juste, on excède zèle que on y individu fait. Donc, comme le salut est personnel, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. La bonne leçon pour l'autre. Professeur à l'université Erol Toussaint lancé un appel à l'autorité qui n'a pas cette décision. Pour prendre conscience face à la situation crise pays qu'on a depuis proposé pour gagner ensemble personnalité qui mettait d'accord pour dialoguer et puis aboutir à une solution pour retirer le pays à la crise. Le professeur Erol Toussaint a participé à l'émission mise au point sur TNH. La répondre question Jean-Serge Niolendo. En général, ça n'a plus de nous, surtout la caille vidéo. Nous essoufflons vite. Et ça, ça très très fort, oui. Mot essoufflé. Ça veut dire que nous bouquons vite. Ça veut dire que nous pas qu'à kembe, nous croyons que si haïtien yo vigilant, ouais, m'a prend terme ça. Ouais, nous devons être vigilants et des veilleurs. Parce que nous gen moun qui t'a aimé que nous disparaître sous planète là. Maintenant, quelle est sa condition capable là, je dis à professeur Toussaint, tenant compte de réalité à vivre là, pour que le dialogue là soit capable possible dans le temps haïtien. Quelle est sa condition capable de y pour un dialogue vrai, je dis. D'abord, il faut que nous éprouvions, répondre à une question ça. Et c'est vraiment mon remède à dire. Et c'est mon remède à mon femme, garçon, mon cabala, et c'est mon remède à ouvrir. Est-ce que nous avons un pays ça continue à exister? Parce que c'est une condition qui est là qui fait que le pays a qu'à disparaître. Il a existé. Ouais. Question ça pour pouvoir poser une question ça. Ensuite, lorsque vous posez une question ça, vous répondez, c'est-à-dire, ça me décarrelle, vous faites très très clair avec vous-même, qui intérêt que nous avons en Haïti, je veux dire. Qui intérêt que nous avons. Ensuite, je crois que il y a un acte de vulnérabilité. Prendre conscience que nous sommes vulnérables, que nous sommes des êtres finis. Là,
là c'est important, oui, mais n'a pas les philosophies en créole. Des êtres finis, ça veut dire que nous pourrons mourir. L'homme prend conscience, non, monde prend conscience, ou saint d'esprit, ou qu'on nous pourra mourir, ou accepter ça, ou qu'on vienne moins méchant. Je précise. Lès que vous prenez conscience que vous êtes gros nec, après ça, vous commencez à vieillir, ou dans 50, dans 70, etc. Puis vous donnez X grandes figures du monde, mourir. Mais au moment donné, vous dites que vous avez écouté. Est-ce vraiment tes supérieurs de ce petit paysan, de ce petit paysan, de nex qui a travaillé la caïmoya? Ne pas le mourir, nous même soir. C'est ça, il y a l'acceptation de la condition humaine, si m'a parlé, si je voulais employer en termes français, la finitude, la question de finitude là. Il laisse ça, bon, pour étudier cap écrit, cap coûté là, il t'a bon pour aller, pour lire un auteur en tant que Paul Ricoeur qui a abordé la question ça, la question de la finitude. Et ça va le bon tout, il y a un minimum d'humilité. Il y a un minimum d'immunité. Même si on a un directeur, je veux dire, ou ministre, ou ceci, ou cela, bon, au moment donné, on va perdre du job là quand même. Ou bien, ou même si on va perdre du job là, on va mourir ou on va le malade. C'est-à-dire, ou bien, ça me décarrer les situations limites de l'homme, la maladie, la mort. Mais à côté de condition de société, partage avec nous là, qui t'a qu'à faire acteur et prendre conscience. Mais nous avons une réalité tout qui était chargée. Vous parlez de gangstérisation pays. Nous parler de questions qui kidnapping qui a continué, de mon équipe, nous parler de conditions matérielles d'existence mounio qui laisse à désirer, nous n'avons pas qu'à manger aujourd'hui. Vraiment un ensemble de facteurs qui sont capables, selon puis monde qui doit de raison, pour ces acteurs finalement chita, il y en a une l'autre pour que vous fassiez dialogue là. Mais malgré ça, chaque monde capé subit pour ne faire pareil. Ça passe. Nous avons maintenant une république de désespérés. Et c'est très grave. Nous avons une république de désespérés. Et c'est ça qui fait que le pays a disparu. Désespoir en haut, dans le temps et en bas. Okay? Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la gang, les gens qui sont dans sont désespérés. Même si on est désespérés. D'ailleurs, on va voir qu'il y a un mito. Mounio qui en roi. Ok? Tout le monde qui a mis des barrières, gros bagages à l'eau. Ce sont des désespérés. Donc là, on y est là. Bon, je pense que le problème est philosophique, mais en même temps, il est psychologique, psychanalytique. Et c'est pour ça que nous avons toujours gain des médiateurs entre nous-mêmes. Il faut que nous avons un minimum de lucidité. Donc, lucide, comme mon petit minimum, c'est un petit minimum de lucidité, ça me gagne, que m'a dit que et ma vie dans une société de désespéré. Est-ce qu'on lucidise? Et attention, allez-y. Le désespoir, il atteint moins d'une façon ou d'une autre. Tout simplement, on prend conscience comme lucide. C'est drame, ça n'est là. Donc, nous sommes au cœur, ça dit que le professeur d'université, il est désespéré. C'est-à-dire quand on est là dans l'université, mais cela parlait que il faut quand même connaître même si tu as passé toute ville en Haïti. Parce que moi, je pense aux jeunes professeurs, aux jeunes professeurs qu'on a qui n'ont 35-40 ans. C'est un désespéré en puissance. Donc, un désespéré qui enseigne à des jeunes qui sont en processus du désespoir. My God. Écoutez bien, il me manque pour bail là. C'est-à-dire que des jeunes, ils ont. Professeur qui désespéré, qui n'ont processus de désespéré, et qui a enseigné à des jeunes qui n'ont logique, qui rentrent dans la logique de désespoir, parce que l'abdomen, dans quel moment, l'a jeté. Mais futur Haïti a menacé, oui là. Mais il est menacé. Mais maintenant, prenez à cette chose qui est, si vous groupe monde, si vous venez arriver à une certaine masse critique,